Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale, mes cadeaux d'anniversaire. C'est le genre de vidéo que j'aime bien tourner tous les ans parce que je sais que ça peut donner des idées cadeaux peut-être pour Noël ou pour d'autres anniversaires. Et puis vous êtes toujours nombreux à me demander ce que j'ai eu à mon anniversaire, donc là vous voyez tout d'un coup. Niveau beauté, on va commencer par Sephora. J'ai eu deux sublimes, enfin trois même, vernis Dior, en fait deux couleurs et une base. Donc par ma copine du blog Morgane More & More, hein, je vous mettrai son blog en barre d'infos, j'ai eu la base Dior que j'avais mis dans ma wishlist, donc le Dior Lisse Abricot, vernis soin lissant perfecteur. Et honnêtement, je l'ai déjà testé deux fois et je la trouve juste formidable. C'est une base vraiment très très hydratante pour l'ongle, qui fait tenir vraiment le vernis très longtemps. Et en plus de ça, je trouve que même en elle-même, elle se suffit pour vous donner un ongle très propre et très joli. Donc, gros coup de cœur pour cette base qui est juste divine. Pour compléter cette petite dite collection, vous savez, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit que j'avais une collection de vernis Dior juste énorme. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ça si ça vous dit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, mais du coup, et à me le dire en commentaire aussi. Du coup, j'ai eu aussi deux vernis Dior par ma copine Uriel de la chaîne H Cosmétiques. Donc voilà, vous voyez les copines YouTube, les copines de blog deviennent aussi des copines dans la vraie vie que j'apprécie particulièrement. Donc là, elle m'a offert deux vernis de la collection automne qui viennent juste de sortir de chez Dior, le 994 Opening Night, qui est juste une couleur sublime. D'ailleurs, je l'ai mis sur mes ongles, je vous avais mis une photo sur Instagram. J'essaierai de vous reglisser une petite photo. Il est juste divin, il sait. En fait, comment vous dire, c'est presque la couleur du packaging des vernis Dior. C'est une sorte de bleu violine intense, juste divin. Il tient 5 jours sur mes ongles pour celles qui sont pas très motivées par les vernis Dior. Après, ça dépend vraiment les gens. Mais sur moi, les vernis Dior tiennent à peu près 5 jours. Donc moi, je trouve que c'est très correct pour une tenue d'un vernis. Même si c'est du Dior, voilà, c'est une tenue très correcte. D'ailleurs, je trouve qu'avec la base, ils tiennent même mieux. Celui-ci, c'est celui que j'ai sur les ongles, c'est le deuxième et c'est le 977, le premier, qui est vraiment une couleur d'automne parfaite, une sorte de vieux rose bordeaux foncé. Il est très très beau. J'en ai deux qui ressemblent un petit peu, mais c'est jamais les mêmes couleurs. Donc je l'adore. Et voilà. Vraiment coup de cœur pour les deux vernis Dior que j'ai eus. Ce sont des très très belles couleurs. Ensuite, j'ai eu par ma copine Susanna, qui regarde des fois mes vidéos, donc je ne sais pas si elle regardera, un joli joli collier comme ça. Donc je me dis que sur un haut rose ou même sur un haut noir, il sera juste sublime. Bon là ça va pas sur mon haut gris, mais voilà, il est superbe. Il est très très coloré, donc je ne sais pas vraiment d'où il vient, mais il est très très beau. Très coloré, c'est vraiment le style de collier que je n'ai pas du tout. Et pour rester dans les bijoux, même si ma copine Susanna, elle m'a offert d'autres choses. Elle m'a offert une petite lettre très mignonne. Et elle m'a offert des petits trucs de scrap parce qu'elle s'est dit que c'était la petite touche en plus. Elle m'a offert un livre d'ailleurs, il est où? Ah, il était caché. Elle m'a offert aussi, alors je vous dis, alors, elle m'a offert des petits trucs de scrap de chez Action, voilà, pour Noël. Donc ça c'est parfait, c'est très mignon. Et ça, elle sait que j'adore ça. Et des petits. Comment ça s'appelle? Trou de mémoire. Des petits. Sticky note, voilà, sticky note, très joli de chez Action aussi, donc très mignon, je les ai pas du tout, donc c'est cool. Et un livre, d'ailleurs elle m'a dit dans ce livre que c'était vraiment un coup de cœur pour elle, donc elle voulait me faire découvrir. Et ça tombe bien, donc c'est le livre de Joëlle Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Elle me dit que l'illustration, le livre, le titre n'est pas top, mais le livre en lui-même, il est juste divin. Donc bah je vous en dirai des nouvelles, sûrement sur Instagram ou sur Facebook. Dans les bijoux, donc par ma cousine cette fois-ci, j'ai eu un joli bracelet comme ceci de chez Kiabi, je crois. Je crois ouais, que c'est Kiabi. Avec les boucles d'oreilles assorties. Donc très joli. Un petit duo comme ça, très sympa. Hein. Donc ça, c'est cool. Bon, voilà, j'étais gâtée. Hein. Par ma copine Clémence, que vous retrouvez pas mal sur Facebook, si vous me suivez sur Facebook, hein, qui commente pas mal de choses et qui commente aussi toutes mes vidéos. Du coup, j'ai une petite carte aussi adorable que je vais garder pour moi. Elle m'a offert un rouge à lèvres Urban Decay. La fameuse couleur que je voulais. Et en fait, parce que Clémence l'a acheté et Mélanie l'a acheté. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai fait, ok, bon, elle est vraiment très belle cette couleur. Faut vraiment que je l'achète aussi. Donc, elle me l'a acheté. Comme ça, on est le trio du Urban Decay. Et c'est la couleur Conspiracy. Conspiracy. Et c'est un métallisé. Donc, il est juste sublime. Les packaging, je les voyais plus gros. Je sais pas pourquoi.
Mais ils sont très très beaux. Voilà. Ils sont sublimes. Il y a des très très jolies couleurs dans leur nouvelle collection. Là, ils sont divins, divins, divins. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore swatché et je voulais faire des photos avant. Il est juste trop beau. C'est un espèce de marron doré métallisé. Il est trop beau. Donc parfait. Ensuite, toujours par Clémence, j'ai eu des petits, comment dire, pour elle c'est des petites babioles, mais voilà, pour me faire plaisir, des petits plus. Donc un petit gel douche comme ceci, de chez Ritual, c'est un gel douche que j'adore, à la rose indienne et à l'huile d'amande douce. Je vous en ai parlé dans ma vidéo produit terminé, je l'adore, j'adore, j'adore. Donc ça, je suis super contente qu'elle me l'ait reprise. Elle m'a mis aussi une miniature de l'eau micellaire démaquillante de chez Sephora, donc je vais pouvoir tester. Et la crème légère activatrice d'hydratation de chez Sephora aussi, donc je ne connais pas du tout. Elle m'a mis un petit masque au lotus de chez Sephora, donc ça c'est top, c'est juste dingue, je suis contente. Et deux petites choses en scrap, un de chez Artemio, comme ceci. Donc je ne sais pas si c'est une collection particulière. En tout cas, il y a 21 petites pièces. Et un de chez Betty's que vous trouvez chez Casa, donc voilà, comme ça il est trop beau. Donc j'adore. Donc voilà. Ça c'est top. Au niveau du scrap, au niveau de. Enfin voilà, j'ai été pourri gâtée, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite, Mélanie. Mélanie, de la chaîne Happy Together 17, a juste été une grande malade aussi. Elle m'a fait une sorte de box spéciale anniversaire qui est juste lourde. Très très belle la box en passant. Petit clin d'œil à Lily, qui. Je sais pas si elle l'a déjà, mais elle adore les étoiles. Et petit clin d'œil aussi à Amandine. De la chaîne Mandy's Bulle, mais je sais plus comment ça s'appelle sa chaîne maintenant parce qu'elle a changé de nom, qui adore les étoiles aussi. Donc elle m'a fait une superbe, enfin, elle m'a mis une superbe carte et d'ailleurs elle m'a rajeunie dedans, donc c'est très bien, hein, on va la garder précieusement. Elle croit que j'ai encore 31 ans, mais oui, j'ai fêté mes 32 ans. Alors il y en a qui me disent que je les fais pas, d'autres qui me disent rien, donc peut-être que je fais vieille. Non, alors je commence, elle m'a fait un coffret en fait, voilà, je vous montre le coffret, je vais même pas montrer. M'a fait un coffret comme ça spécial marque Byja, c'est la marque que vous trouvez chez Zodio et sur le site Byja. C'est une marque de cosmétiques de soins en fait très très vraiment très sympa. Vous avez la gamme Au Monoeil qui est hyper connue que moi j'adore. Il y a d'autres gammes avec d'autres odeurs. Là c'est miel caramélisé. Elle m'a offert donc le savon liquide que je trouve divin. D'ailleurs j'avais hâte de vous filmer cette vidéo pour le mettre dans ma salle de bain. Donc le savon liquide de Marseille au miel caramélisé. Elle m'a offert la crème pour le corps au miel caramélisé toujours. Donc les grands, grands, grands formats, elle est juste dingue hein, cette fille. Donc les voici. En revanche, cette crème-là, je l'ai déjà testée. J'ai pas été fan de l'odeur sur ma peau. Donc je vais la retester. Peut-être qu'en grand format, peut-être que maintenant que c'était. Enfin, je l'ai testée il y a 1 an et demi, je crois. Donc bon, c'était à quelques temps. Et elle m'a offert même le gommage. Alors ça, en revanche, je suis super contente. Parce que les gommages, bah, déjà, j'adore. Mais là, au miel caramélisé, je pense que ça sera juste divin. Donc voilà, il est comme ça, en couleur de vrai caramel. Et ça, c'est juste top, top, top. Je suis super contente. Donc ça, c'est top. Et pour finir, bien sûr, je vais t'arrêter là. Hein. Elle est juste malade. Et là, elle a pris aussi l'huile. Pour le corps, je pense qu'on peut mettre aussi un peu sur les cheveux, etc. C'est des produits sans parabènes. Hein. Donc voilà, je suis super contente. Oui, pour le corps, donc ça c'est top. À l'huile, au miel caramélisé. Donc c'est top, 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 top. Donc ça c'est tout ce qui était beauté. Je crois que j'ai rien oublié. J'ai eu un petit peu d'argent pour ma maman. Et oh, j'avais oublié un truc hyper important, mais le gros boulet quand même. J'ai eu quand même par mon mari The Cadeau. J'ai eu l'iPhone. L'iPhone 7, le dernier iPhone, je l'ai eu le jour de sa sortie. Hein. Donc l'iPhone 7 en rose gold, j'ai même pas la boîte, j'ai laissé là-bas. Mais voilà, j'ai eu l'iPhone 7 en rose gold, il est juste divin. Je suis fan, 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 fan de ce téléphone. Je m'en sers tout le temps, c'est un. Je crois que c'est un 128 Go. Je sais plus, mais je crois que c'est le maximum, le 128 Go. Donc ça, c'est un cadeau de mon mari, donc. Il a été plus que généreux et il me l'a offert du coup le jour de la sortie. Donc je l'avais déjà eu 1 mois avant mon anniversaire. Vous l'avez vu d'ailleurs sur Instagram. Pour ceux qui veulent une vidéo What's in my phone ou un truc comme ça, n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire, ça m'intéresse. Et pour finir, j'ai eu des vêtements parce que j'ai une copine qui avait décidé de me relooker un petit peu, de m'acheter quelques fringues. Donc ça a été un vrai amour. Elle m'a offert un pantalon comme ceci, donc un très, enfin, trigging, on dit ou un jegging? Un jegging si je dis pas bêtise. Oui, un jegging de chez. New Look en taille 46. Donc un jegging de chez New Look. Voilà, comme ceci. Alors vous ne verrez pas, mais c'est un jegging tout noir qui est resserré en bas au niveau des pieds. Tout simple, basique, mais il est très très beau.
Et avec ceci, elle m'a offert deux sublimes hauts de chez Naf Naf. Donc, genre, elle a fait des folies, elle est dingue cette fille. Mais deux sublimes hauts de chez Naf Naf, ils sont juste divins. Je vais essayer de faire attention à pas le salir avec mon rouge à lèvres. Un haut blanc comme ceci, vous avez vu Naf Naf, donc. Et écrit le grand méchant look. Ah, c'est vraiment rigolo, tiens. Donc, chez Naf Naf, avec les bras comme ça, sublimes. Là, l'espèce de dentelle au-dessus de la poitrine, les bras en transparence, tout blanc, il est juste divin, c'est une taille XL. Et le deuxième, en rose poudré comme ceci, trop beau aussi, toujours en transparence au niveau du col, là au-dessus de la poitrine. Cette fois-ci, les bras, ils sont un petit peu moins longs, ils sont courts, et voilà, c'est pareil, derrière, il est juste divin. Ils me vont à merveille en taille XL. Celui-ci, il a une matière un peu, comment vous dire? Je sais pas si vous verrez, devant il est un petit peu crépu, et derrière il est tout lisse, donc c'est trop mignon. En tout cas il est parfait, ils sont parfaits, ces deux petits hauts, ils sont juste divins. Donc voilà pour mes cadeaux d'anniversaire, si j'en oublie quelques-uns, parce que je les ai eu après cette vidéo, je rajouterai des petites photos. Mais en tout cas, j'ai été super ravie d'avoir tout ça, d'avoir été gâtée comme ça. Je méritais pas tout ça, honnêtement, même si je vous avoue que l'iPhone, mon mari me l'a offert, mais je rembourse une partie hein, quand même. Parce que bon, c'était un sacré investissement, je voulais pas qu'il paye tout seul, je trouvais que c'était pas correct. Donc voilà, mais voilà, j'ai été super gâtée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Si vous, il y a des choses qui vous font envie parmi ce que j'ai eu. Puis je vous fais plein de gros bisous, je vous fais encore des gros bisous, j'ai tendance à me répéter. Salut à tous! Comme petit cadeau aussi, je me suis fait mon propre petit cadeau d'anniversaire avec une carte Zodio de moins 10 euros. Je me suis acheté le calendrier de l'Avent, bon cosmétique, avec que des petites boules et des petits savons, etc. Des boules de bain, etc. Alors comme cadeau d'anniversaire, j'ai eu aussi une petite tasse comme celle-ci, faite par ma copine Nora, du site Mamao Créa Shop. Je vous mettrai son site en barre d'infos, donc c'est une tasse toute simple, mais avec une petite gravure à mon nom, c'est trop mignon, un petit tag. Donc voilà. Et par ma copine Virginie, j'ai eu un sublime crayon, enfin stylo plutôt. Un stylo comme ceci de chez Swarovski, trop beau. Il est juste sublime, hein. Donc ça, j'ai hâte d'avoir un beau planeur pour le mettre dedans. Mais en attendant, il va rester précieusement près de mon Happy Planner. Donc voilà pour mes petits cadeaux, mes derniers petits cadeaux, mais qui sont vraiment trop bien.